Et bonjour à tous! Il est temps de se faire une petite ouverture rapide. Regardez-moi ça, Doritos King Size. Attention, c'est parti! Petite houmous. Pardon, mais c'est mon petit-déj, hein, ça fait trop du bien. Eh oui, moi je prends de l'houmous au petit-déj, regardez-moi ça! Bon appétit! Ah, comme c'est bon. Comme ça, on va pouvoir tremper les Doritos dans l'houmous. Petit Doritos, et c'est parti. Oh merde, mon clavier. On va y aller. Alors je vous explique le principe, on va créer notre perso vite fait. Ça va être un jeu un peu de survie. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent le film Cube, vous allez voir c'est pareil, là on est sur la suite, on avait fait le 1 avant. On va se retrouver avec plusieurs personnes enfermées dans un labyrinthe et on va devoir survivre et coopérer pour s'en sortir. Alors j'ai fait qu'une partie, hein, je vous le dis, mais le jeu est assez simple en fait. On va juste prendre quelqu'un d'un peu plus représentant. Ok, on dirait un prépubère de 15 ans, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Hello ! Hello ? Hello ? Ok, il parle pas. Alors comme vous voyez, il y a plein de pièces. On peut, comme dans l'autre, lancer nos chaussures, hein, pour activer les pièges. Alors lui, il est chaud. On va le suivre jusqu'à ce qu'il... Oh, il a failli crever déjà, vous voyez. Mais attends, ne cours pas comme ça. Alors le but, c'est comme d'habitude, hein, de trouver la sortie. Alors je sais pas, je crois qu'on a perdu l'autre joueur. Alors je le laisse toujours aller avant, hein, parce que sinon il peut crever. Ah, il va crever. Regardez. Non, il va pas crever. C'est quoi ça? Il y a des livres qui sont tombés. Voilà, il se passe rien, c'est bien. Alors ça, c'est quoi ce truc? Pourquoi il y a de la glace sur le sol? Ça veut dire que le piège a dû passer, je pense. Alors là, il y a un bruit bizarre, hein. Toujours récupérer la chaussure, c'est bien sûr important. Alors je crois qu'ils ont, pas mis le mode de difficulté très dur. Du coup, ça va, c'est facile, on avance. On passe, on passe. On passe. D'une... Ah, ils ont mis des pièges avec des crocodiles. Ok, c'est pas grave, nouvelle partie. On va se refaire une coop, après on change de mode de jeu. Allez, c'est parti, on va survivre. Oh, il y a plein de joueurs, on est 4. On va essayer de communiquer un peu. Alors j'espère qu'on va tomber sur quelques petits français. Ah bah il y a que des chinois et des japonais. Hello, how are you? Hello, hello, hello. Ah, lui je crois qu'il a... il a un gros problème, cet homme. Alors là, nous avons une chaînette avec une hache, ça va être très facile. Où est passé notre... Ah! Où est passé notre ami? Vite! Ah là là, mais il a tout activé lui. Bon, lance-flamme, un classique. On va le suivre. D'une autre que je vais... Ouah! Bon, on va aller à côté, hein, du coup. Oh! C'est quoi? Ben, on a survécu, c'était un appareil photo aveuglant. Ah, vous voyez, on fait bien de jeter la chaussure, hein. Il y a des pièges partout. Allez, on passe, on passe, on passe. Oh là là, c'est quoi ça? On s'en fout, on y va en courant. Speedrun. Trop bien, ils ont fait des étages au-dessus, et oui! Parce que c'est le cube au carré maintenant. C'est comme la version 2 du film. Ah putain, il y a des pièges partout. Pousse-toi! Alors là, c'est par où on est venu. Normalement, la porte, elle devrait être bonne. Là, j'ai perdu une chaussure, donc j'ai plus de chaussures. Tant pis, on va y aller en courant. Vite, vite, vite! Ah non! Non! Bon, bah, c'est la fin, les amis. Ça mérite un petit houmous. Pour ceux qui se rappellent, le premier. Voilà, c'est fini. Allez, petit houmous de récompense. On va tester le carnage, je sais pas ce que c'est, mais ça va être un carnage. Ah, mais il y a des objets! Grenade flash, bandage, mais c'est trop bien! Pourquoi je suis en... Ah, merde. Alors, il y a du timing, je sais pas ce qu'ils ont rajouté. Oh, putain. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, on va pas aller là. J'ai perdu une chaussure, normalement, je peux en récupérer une, peut-être, sur lui. Oh, mais il y a un gilet pare-balles et tout. Ouah. Merde, 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 merde. Ah, mais c'est pas possible, là, les gars. Mais je peux aller nulle part? En fait, je suis bloqué là. Il reste 7 secondes. Oh! Bon, c'était une mort horrible. Allez, on va un peu faire la même chose, mais en tuant des joueurs et on va survivre. Et petite houmous. Hello! Oh, la malle à objet, la malle à objet. Regardez, elle l'a même pas vue. Qu'est-ce que j'ai pris? Des bandages. Super. Bon, on va suivre la fille, elle a l'air plus intelligente. Oh! Il y a un... Il vient de se faire bouffer par un crocodile. Voilà, c'était beau, on l'a pas vu, dommage. Allez, viens, on y va par là. Regardez comme je me démerde bien, je me retrouve dans un endroit à survivre et je sauve la seule meuf qui existe. L'avenir de l'humanité est peut-être assuré. Ah, vite. Oh non, non. Allez, saute, je vais me faire tuer. Eh ouais, mais comment on ouvre la porte, en fait? Ah, pas mal. Merci. Oh non, je regardais. Oh non! Allez, on va quand même y arriver, hein, à survivre dans une partie. On va suivre le mec à la veste. Il a l'air pistonné. On peut pas le pousser. Ah, il est juste en dessous du crocodile. Qu'est-ce que je rigole s'il se fait manger. Ah, dommage. Ah, lui, il y va sans chaussures. Vas-y. Par là, regardez, c'est safe. Attends, mais il y a une petite malle ici. Eh merde, j'ai perdu une chaussure. Dommage. Ah, il est allé looter, j'y crois pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà là.
Eh, j'ai survécu, hein. Je sais pas comment. Je la sens bien cette partie, on va survivre. Regardez, on a trouvé le bumper déjà pour monter à l'étage au-dessus. Et ça, c'est bien. Oh, il y a une malle à objet. Il y a une malle à objet. Ah, c'était pas une malle à objet. C'est bon, on a à moitié brûlé, mais on a survécu. C'est dommage qu'on puisse pas pousser les joueurs avec des objets. Enfin, j'ai pas trouvé d'objet pour pousser les joueurs encore. Et on est passé au troisième étage. Du coup, on est bientôt. On va trouver la sortie. Ah, mais lui, c'est un flippeux, hein. Ah ben je crois qu'il a... Waouh, d'accord, il y avait des pinces. Voilà, on le suit, on le laisse faire le jeu, comme ça on va survivre. Je vous montre au moins la fin du jeu. Je comprends pas ce qu'il fait le gars, en fait il tourne en rond quoi. Parce qu'il avait déjà regardé ici et il avait rien fait. Allez, on passe. Je crois que je suis pas passé au bon moment. C'est bon, on fonce. Ah oui, dernier étage. On va y arriver, on va survivre. Ça c'est cool. Dépêche-toi. Oh, c'est de la pluie acide. Heureusement on peut l'esquiver, c'est bon. Ah mais il y a encore un étage, d'accord, mais ça finit jamais en fait. Je croyais qu'on était au quatrième. Alors je me rappelle plus du cube au carré combien il y a d'étages, mais il me semblait qu'il y en avait que 4. Ah, il y en a 6. Attention parce que cet homme est fourbe, hein. Regardez, il attend toujours que j'y aille. J'aimerais trop le pousser dans les crocodiles. Eh bah tu as tout à fait raison. Il est où? Alors je crois qu'il est... Il est mort? Non, il est ici. Eh bah c'est parti, on est sur le dernier étage. Je sais pas ce qu'il fait. Vous avez vu que le gars, il a quand même tourné en rond pour repasser au même endroit. Lui, c'est un pro gamer, vous voyez, il utilise sa chaussure qu'en dernier recours, quoi. Il tryhard le jeu, lui. C'est pour ça qu'il a autant de vestes. Voilà, les joueurs habillés sont ceux qui ont le plus de lootbox, donc les meilleurs. Ah. Oh, c'est la fin! On a trouvé la fin! La sortie! Yeah! Yeah! Ah, mais j'ai 2 caisses de butin, on va pouvoir s'habiller. On sera plus à poil. Oh là là, attention, c'est parti. Ah... Il faut qu'il travaille un peu le suspense, tu vois, dans l'ouverture, on a un t-shirt blanc, c'est pas top. Allez, un petit truc cool, là. Un t-shirt rouge et un t-shirt blanc, on a toujours pas de pantalon, mais c'est pas grave. On va l'habiller un petit peu, du coup. Ah, voilà, magnifique, hein. On va regarder s'il y a du monde en mode carnage, du coup. Sinon, on relance un mode coop. Oh, mais là, regardez-moi. Alors, tout à l'heure, on a eu un bug, là, ça va être un carnage. On va pouvoir pousser les autres joueurs sur des pièges, il y a au moins 3 joueurs. C'est chacun pour soi. Alors, regardez, on peut mettre des coups de poing, déjà, ça a changé. J'ai vu un squelette, il y a peut-être des loots. Ah, regardez, j'ai une pantoufle et une chaussure. Alors, je rappelle que dans cette partie, il y a des autres joueurs qu'on va devoir tuer. Oh, la malle à objet, trouvez-moi une arme. Cocktail Molotov. Ah, ouais. Oh, canne de hockey, bouclier. Ah, bah, dis donc. Ok, là c'est impossible. Ah, j'ai oublié qu'il y avait un timing, il faut se dépêcher. Et je suis complètement bloqué, il faut que je sorte et que je raille dans l'autre pièce. Ok, donc il faut looter très vite. Et merde. Et ben, je crois que je suis mort là du coup, non? Je suis bloqué totalement dans cette pièce. Regardez, il y a des pics partout. Alors qu'est-ce qui se passe quand t'es bloqué dans... Ok, d'accord. Donc il fallait aller très vite en fait. Bon, c'est pas grave, maintenant on le sait. Cette belle position, comment je suis mort? Elle était magnifique. Allez, on relance. Cette fois, on va tuer des joueurs. Attention, on va commencer. Il y a 4 joueurs. Allez, concentration, c'est parti. Attention. Merde, j'ai jeté. C'est pas grave, on les ramasse. Ok, y a rien, on fonce. Oh, j'ai une batte. Oh, y a une malle à objet. Des petits bandages. Ça, je sais pas ce que c'est. De l'énergisant. Attends, je suis en train de tourner en rond. Il faut absolument que j'aille ici. Sinon, je pourrais pas passer. Allez. On prend une chaussure. Oh, gilet, bouclier, violet. Grenade flash, dynamite. J'ai hâte de faire un duel. Ils sont où les joueurs? Je vais éternuer, pardon. Achia! Voilà, je vous ai tous tué les oreilles, vous êtes tous sourds. Alors, je regarde ce que c'est vite fait, la dynamite. Waouh, c'est trop bien. Boisson énergétique, on regarde. Oh, marteau vert. Attends, il y a des loots en fait de couleur. Ah ouais, le marteau. Ah, le marteau est mieux. En fait, ils ont fait un battle royale dans cube, quoi. Et j'ai plus de chaussures, ça c'est chiant. Oh, le casque. Oui, bien joué. Bien joué. J'ai entendu. Vous avez entendu, il y a eu un bruit de... Ah merde. Ça veut dire que je peux pas y aller là. Ok, il faut qu'on se dépêche, on est resté trop longtemps à discuter dans cette salle. La zone se restreint. Oh, on a de la chance, y a pas de piège, on va foncer au milieu. Attendez, peut-être un petit loot. Une chaussure, oui. En fait, la zone se restreint sur une zone centrale, je suppose. Oh, attendez, y a des loots. De la dynamite. Grenade flash. Alors, grenade flash, ok. On va y aller direct avec la dynamite si on voit quelqu'un de façon. J'entends du bruit. Ah, de la pluie acide, au secours. Waouh, là ça va être chaud de passer. Hein. Alors, j'ai un bandage, hein, vous inquiétez pas. J'entends du bruit. Oh putain, c'est quoi? Oh là là, vite. On sort et on se soigne. Y'a pas une pièce où y'a pas de piège? Bandage, petit soin. Oh, y'a un joueur! Dynamite! On prend le bouclier. Grenade flash! Ah mais c'est aussi rapide que ça! Putain, moi je voulais le finir en beauté, le faire exploser. Bon, la prochaine fois on ira avec le marteau direct du coup. Oh, on a eu un loot. Petit loot, attention, c'est parti. Enfin, on a eu le saint pantalon. C'est cool, on va plus être à poil. Pantalon, c'est parti. Allez, j'en relance une. Je pense que ce sera la dernière, du coup. Et là, je crois qu'on est beaucoup de joueurs. On était 7 ou 8. C'est parti, on va survivre.
est bien là. Là on est bien. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on avance. Allez, c'est bon, y'a pas de piège. Si, y'a un piège. Ah, l'appareil photo. Ah, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un, les gars. Y'a quelqu'un, là-bas. Allez, on va se le faire. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Viens ici. Je l'aurai, les gars, je l'aurai. À moi, les loops. Ah, putain, y'en a un autre derrière. Oh là là, on est tous là. On est tous là, au secours. Allez. Mais il meurt jamais. Allez. Ouais, on l'a eu. On l'a eu. Oh putain, y'en a combien? J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai un point de vie. Dommage. J'ai été tué par Brocoli. Tué par un brocoli, il mérite bien son nom. Voilà, c'était un petit live comme ça, on en fera un chaque samedi, je pense, ou dimanche. Donc n'oubliez pas de rejoindre le Discord surtout pour checker les lives. Donc je vous fais des bisous, mangez gras, mangez de l'houmous, et je vous dis à bientôt les amis, ciao! Oh,